Yo les amis, c'est Yoann de Lala, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur Minecraft. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques trucs assez hallucinants pour ceux qui ne connaissent pas des choses sur Minecraft, mais à mon avis la plupart des gens les connaissent. Je vais vous présenter quelques petites maisons, mais pas beaucoup non plus, pour pas que la vidéo soit trop longue. Déjà, je vais vous présenter celle-là et celle-là. Je crois que ce sera les deux seules maisons que je vais vous présenter. Et après, je vais vous présenter le portail. Ou non, d'abord le portail. Alors ça, c'est le portail vers le Nether, c'est ça? Ouais. Faut rester dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé, Yoann? Ah bah, il a cassé le portail. Bah bravo, bah, on le refait. Alors Yoann, tu dis ce qu'il faut pour faire le portail vers le Nether? Ah d'accord. Voilà, parfait. Et je vais le faire. Alors Yoann va vous expliquer maintenant quelle pierre il faut pour faire le portail vers le Nether. Alors, il faut de l'obsidienne. De l'obsidienne? Ouais. À mon avis, la plupart des gens qui jouent à Minecraft connaissent le portail. Oui, ils doivent savoir, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est pas grave. Oui, parce que quand même, j'ai une petite théorie qu'il n'y a pas seulement des blocs sur Minecraft. Hein. Déjà, l'herbe, c'est pas un bloc. Et le truc du portail, c'est pas un bloc. Et la liane, c'est pas un bloc. Donc, pour tout ça, je suis désolé, mais Minecraft... Mais pourquoi tu lui as mis feu? Bah tu l'as pas fait assez grand. Alors il faut... Il est trop grand. Alors il faut aussi savoir une chose, c'est qu'il faut vraiment le faire à la bonne taille. Donc la taille là, ça va être difficile de vous l'expliquer. Quoique non, parce que... Du coup renseignez-vous sur internet. Sur certaines consoles, on peut le faire de la taille qu'on veut. Mais sur PS3 on peut pas... Oui, donc c'est juste sur PS3, nous on est sur PS3. Et du coup on peut pas le faire de la taille qu'on veut, faut respecter une taille. Ouais. Et du coup tu peux dire ce que tu fais toi. Oui. Et donc voilà, là on est où Yoann? On est dans le Nether. Je vois du feu, de la lave, des blocs rouges. Donc en fait c'est un peu une dimension parallèle, c'est un peu l'enfer quoi. Avec le sable des âmes. Il est où le sable des âmes? Où il y a une musique ultra flippante. Hein. Bah c'est toi qui dis ça, Yoann. Mais il est où le sable des âmes sur moi? What? Pourquoi il y a un pont? What the fuck? Il y a un pont. Bon, on va pas vous en dire plus parce que... Pour les sensibles, ça doit faire un peu peur. Voilà, donc c'est un peu une dimension parallèle, un peu l'enfer, quoi. Tu vois le truc. Et du coup, je vais vous présenter... non, finalement, une seule maison. Non, si, parce que sinon, la vidéo sera trop longue. Alors, la maison qu'un copain est venu fabriquer. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, vous pouvez être abonné à sa chaîne. Elle est vraiment super bien. Par contre, c'est l'analyseur. L'analyseur, il a plusieurs chaînes en fait. Il a 28 chaînes, mais il en fait très peu sur une chaîne. Ouais. Il m'a dit qu'il faisait plein de chaînes, mais très peu de vidéos sur sa chaîne. Donc voilà, là c'est la télé, hein. Je vais lâcher le briquet si je risque de voir un truc. Ouais. Ici, bah c'est un peu le bureau, là. Alors il construit très très bien dans Minecraft, ouais. Hein. Il a de ça c'est comme l'ordinateur, en fait. On a la solution, c'est vous mettez une plaque de détection ici. Et vous accrochez un tableau ici, donc voilà, ça fait comme un ordinateur et aussi le petit cactus à côté. C'est bon, Yoann, je vais pas présenter tout ce qu'il y a dans la maison, sinon on y a encore pour demain. Et ici, il y a le bain. Ouais. Après, on monte.
aussi il y a un petit jacuzzi. Et puis ici c'est pour redescendre. Ouais. Et du coup voilà, et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de biomes. Ah oui, et aussi on va faire seulement un autre truc, c'est mon parcours de rail. Allez, un petit tour de neige. Alors là ça va aller assez vite. Du coup, c'est possible que vous ne voyez pas très bien vous sur votre écran ce qui va se passer. Non, ils vont bien voir. Bah à mon avis, toi tu vas déjà là. Oui, voilà, tu vois. Ça va très vite. Ça va vite. Ça va ultra vite. Ouh. Moi j'ai mal au cœur en regardant dans la caméra. Ouais. Donc un petit peu sur ce terrain. Il y a des petits bugs des fois. Oui, il y a des petits bugs qui traînent. Et d'ailleurs, Yoann, ce n'est pas toi qui avais fait ce parcours, mais moi. Ouais, je sais. J'y avais mis 4 jours, peut-être même voire une semaine. Ah bah oui, parce que tu m'étonnes pas, il est ultra long. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi dans l'espace commentaire si vous adorez vraiment Minecraft. Moi c'est un jeu que je vous conseille fortement. Et puis voilà, donc là comme vous pouvez le voir, on a fait l'haricot magique. On n'a pas fait la maison en haut, sinon ce serait trop abusé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner. Oui, ça me ferait trop plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut !